J33, l'aventure ça continue, 6 pays, 6 000 km, et voilà, enfin, j'ai pu me reposer dans une chambre que ma femme m'a donc réservée. Enfin, j'ai trouvé de quoi me reposer, car la traversée espagnole a commencé difficilement, et j'ai dû traverser 300 km sans dormir, et ça en 2 jours. Aujourd'hui, c'est direction Burgos. Et j'espère de magnifiques paysages. C'est parti, aventure. Go! Allez, J33 l'aventure. C'est parti. 6 pays, 6 000 km et tout ça, tu le sais, c'est en roue électrique. Je suis à Vitoria. Et c'est parti pour Burgos. 140 km. Go! Amateur, 230 portes, c'est parti. Qu'est-ce que c'est beau! Oh là 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 là! C'est trop beau! Magnifique! Et voilà, l'Espagne! L'Espagne! Ma pépite animalière du jour sera encore Tata Sylvie avec plein de copines. Ils sont venus vraiment en force en Espagne pour venir m'encourager. Si les filles.
Allez, J 33, j'ai rencontré un cycliste plutôt très sympathique. Viva Espagnol là! Aquí es un sitio muy bonito. Mira, aquí tienes un pueblo que se llama Sagatarra. Ahí cerca, a 2 kilómetros. Un pueblo bonito, un castillo precioso. Ok, j'ai pas tout compris, mais ça a l'air sympa. Je pense que dans 2 km il va tourner, je crois que c'est ça. Allez, regardez ça un petit peu. Alors on est purement en Espagne, les amis. Un sitio muy bonito, Santo Domingo de la Calzada, muy bonito. C'est génial. Alors, amis espagnols, si vous comprenez ce que le monsieur a dit, c'est génial. Je ne sais pas ce qu'il raconte exactement. Mais en tout cas, c'est un super cycliste. Very good cyclist. You very good cyclist. Je ne sais pas trop s'il comprend l'anglais en fait. Finalement, ça n'a pas l'air si international que ça l'anglais. Ou alors, je l'ai super mal dit, mais voilà. C'est un super bike. Allez, go! Génial! Quelques belles images. Allez, continue l'aventure. Allez, J33, l'aventure, ça continue, 6 pays, 6000 km, et tout ça, tu le sais, c'est en roue électrique. Allez, ce matin, je suis parti de Vitoria. J'espère que tous les paysages que l'on a pu traverser jusqu'alors t'ont plu. Moi, je me suis régalé. Donc, déjà parcouru 65 km ce matin, et il m'en reste encore 65 pour cet après-midi. Je me suis arrêté, comme tu peux le voir derrière toi, un petit café-resto où je pense que je vais goûter les tapas espagnols. Allez, c'est parti pour la recharge. Et manger un peu. Bon appétit, c'est parti. Allez, pause midi, recharge. Pendant que ma roue, elle se remplit tout doucement, mais tranquillement, moi, je vais goûter au tapas. Et j'ai choisi les tortillas. Allez, J33, l'aventure, ça continue. Enfin à midi, j'ai vécu une ambiance espagnole. Et je te laisse regarder le décor. La patronne et le patron, super. Voilà, et c'est reparti. Voilà. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Voilà, une ambiance plutôt sympathique. Enfin, j'ai trouvé l'Espagne comme il se doit. Et vraiment une ambiance énorme. C'est reparti pour l'aventure. 65 km, direction Burgos. Allez, go! Allez, des paysages toujours plus hauts, toujours plus beaux et toujours plus forts. C'est parti, viva l'Espagne! Et ma pépite du jour. La pépite animalière que vous aimez sera sur un lézard qui est plutôt joli. Je te vois. Je te vois. Oh, il manque. Allez, J33, l'aventure, ça continue. Et je suis donc à 10 km de Burgos. Et voilà, je suis au soleil, tranquillement, sur une recharge d'appoint, vite fait, parce que j'ai eu beaucoup de vent et j'ai eu beaucoup de montées. Évidemment, l'Espagne, c'est montagneux. Et voilà, je me suis arrêté sur ce petit restaurant bien sympathique. Je te montre ça maintenant. Voilà ma pause recharge dans ce restaurant. Ils m'ont accueilli bien sympathiquement. Et ma roue recharge à l'intérieur.
Je t'y amène maintenant. Merci. Gracias. Hop, et voilà, ma prise recharge impeccable. Je vais pouvoir profiter du soleil en terrasse. C'est parti. Allez, J33, l'aventure, ça continue. Et je suis donc à 10 km de Burgos. Et voilà, je suis au soleil, tranquillement, sur une recharge d'appoint, vite fait, parce que j'ai eu beaucoup de vent. Et j'ai eu beaucoup de montées, évidemment. L'Espagne, c'est montagneux. Et voilà, je me suis arrêté sur ce petit restaurant, bien sympathique. Je te montre ça maintenant. Voilà, ma pause recharge dans ce restaurant. Ils m'ont accueilli bien sympathiquement. Et ma roue recharge à l'intérieur. Je t'y amène maintenant. Merci. Gracias. Hop, et voilà, ma prise recharge impeccable. Je vais pouvoir profiter du soleil en terrasse. C'est parti. Allez, J33 l'aventure, ça continue. Et une fois de plus, un établissement avec un accueil chaleureux. Et ça, ça a été vraiment cool, un grand moment, on vient de prendre des photos. Voilà, gracias, gracias, la patronne, au top, vraiment génial. Voilà, le patron, superbe, et c'est reparti pour de nouveaux paysages. Gracias, amigos. Voilà, J33, arrivé à Burgos, après 140 km. Et c'est parti, direction l'hôtel. Go. Hop là, monsieur, que faites-vous? Je fais le tour de l'Europe. Ok, allez-y, circulez. Dans 500 mètres, au Glorieta Diario de Burgos, prendre la cinquième sortie sur Carretera de Logroño, Avenida Palencia. Petite visite de Burgos, c'est magnifique, superbe. J33 à Burgos, et c'est rien que pour toi, des images nocturnes de la cathédrale.
la cathédrale de Burgos. Allez, J33, c'est terminé pour aujourd'hui, 140 km avec de beaux paysages. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. En tout cas, je vais te montrer maintenant où je me trouve. C'est un hôtel de pèlerinage. Évidemment, le prix est pas cher, 17 euros la nuit. C'est plutôt bon marché. Je te montre ça maintenant. Et voilà, un hôtel de pèlerinage. Alors évidemment, on dirait un dortoir. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour se reposer. Parce que du coup, on est en chambre commune. Mais bon, c'est plutôt bien. Et on espère que personne ne va ronfler. Et je crois que quelqu'un a un cahier de pèlerinage, je pense. Mais je n'y toucherai pas. Ma roue, elle est là, elle charge. Et évidemment, je vais pouvoir me reposer gentiment dans mon lit. Allez, l'aventure, ça continue. À demain. Bonne nuit tout le monde. Ciao, ciao.